Que la Croix-Rouge représente pour les gens, je dirais autant les Jordaniens qui étaient le pays d'accueil que les Syriens, c'est peut-être l'espoir qu'on va être capable de leur venir en aide, qu'on va être capable de leur offrir un service, qu'on va être capable d'alléger leurs souffrances. En ayant un hôpital sur un camp de réfugiés, c'est sûr que nos services sont essentiels. Même s'il y a un autre service médical de soins primaires, le fait d'avoir un hôpital, ça amène beaucoup de sécurité aux gens sur le camp de réfugiés. Ce qui m'habite depuis que je suis revenue de la Jordanie, c'est d'avoir rencontré des gens absolument extraordinaires, des gens qui ont pas nécessairement eu une vie facile. Donc, avec les réfugiés, c'est des gens qui sont extrêmement résilients, c'est des gens avec qui j'ai vraiment aimé partager mon temps. Avec les Jordaniens, c'est des gens qui sont très, très, très gentils. Ça a vraiment été. J'ai beaucoup apprécié côtoyer ces gens-là. Mais c'est les gens. C'est les gens, autant les gens avec qui on travaille que les gens pour lesquels on est là. C'est une expérience extraordinaire.